Barack Obama, en soutien à son ancien colistier dans la ville de Détroit, à 2 jours de la présidentielle américaine, le candidat démocrate abat ses dernières cartes. Joe Biden reste le grand favori des sondages, mais il le sait, rien n'est joué. Après le Michigan, il va concentrer ses derniers meetings de campagne sur la Pennsylvanie, un des états clés pour l'issue du scrutin. C'est là qu'était justement ce samedi Donald Trump. Face à la foule, malgré la crise du Covid, le républicain jette également ses dernières forces dans la bataille. Ce dimanche, le président sortant se prépare à 3500 km de voyage entre 5 États, Michigan, Iowa, Caroline du Nord, Géorgie et Floride. Lundi, il remettra ça avec pas moins de 5 meetings dans 4 États.